Coucou les copines, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous parler en face à face, si je puis dire. Désolée, j'ai des trucs entre les dents, je viens de manger mon petit-déj. Je vous avais dit dans le vlog précédent qu'on se retrouverait pour de nouvelles aventures, etc. aujourd'hui. Sauf que ça fait, voilà, ça fait quelques jours que je pense à arrêter les vidéos sur YouTube. Et ça me trotte de plus en plus dans la tête en fait, parce que il faut savoir que les vidéos YouTube prennent un temps fou dans mon quotidien. J'ai l'impression que ça devient comme une pression de me dire: oh mince, j'ai oublié la caméra, oh mince, il faut filmer, oh mince. Vous voyez, c'est devenu pas un stress, parce que c'est quand même un plaisir. Voilà, moi j'adore partager avec vous au quotidien, comme ça, surtout sur mes ressentis, sur mes joies, sur mes peines, le quotidien, les recettes, tout, enfin, nos hauls, nos retours de course, tout ça, tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime partager avec vous. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais stopper les vlogs, voilà, tout simplement, parce que ça me prend vraiment beaucoup. Beaucoup trop de temps à monter, le temps d'exportation, ça me met une pression de fou de me dire oui, il faut que j'ai fini de traiter, enfin de monter le vlog à ce moment-là, parce que sinon du coup ce sera pas en ligne à ce moment-là, etc. C'est vrai que voilà, sur YouTube, si on veut évoluer, de toute façon il faut qu'on soit assez carré, il faut qu'on soit régulier, il faut qu'on soit voilà, tout ça. Et là j'y arrive plus en fait. C'est pas que j'y arrive plus, non, c'est même pas le mot en fait. C'est juste que j'ai envie de me libérer du temps, ne serait-ce que lire un livre. Voilà, ça fait des semaines maintenant que j'avais acheté ce livre. Et ça fait des semaines que j'ai pu lire que ça. Je ne l'ai même pas fini. J'en ai deux autres qui m'attendent. C'est vraiment des choses que j'ai envie. J'ai vraiment envie de me mettre à la lecture, de me trouver des moments posés où il n'y a rien d'autre autour et je peux me bouquiner un livre qui m'apporte. Pas n'importe quelle lecture. C'est des livres qui m'apportent énormément, qui me font énormément de bien. J'ai besoin le soir de pouvoir me caler devant la télé avec mon petit homme à regarder une série, à regarder un film, sans me dire: ah non, il faut que je monte le vlog. Il faut que je monte le vlog parce que sinon je serai en retard, je pourrai pas et demain j'aurai des journées trop remplies, je n'aurai pas le temps de le monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui va se passer, comme je vous ai dit, c'est que je vais arrêter les vlogs. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui nous suivent sur Instagram, mais je sais qu'il y en a qui ne nous suivent pas là-bas. Alors je vais pas me mettre à genoux, je vais pas voilà, vous supplier de nous y rejoindre. Et j'avoue que ça m'embête de vous laisser là et de ne plus avoir le lien qu'il y a entre nous, parce que c'est vrai qu'avec chacun et chacune d'entre vous, à chaque fois j'ai créé un lien depuis toutes ces années. On a appris à se connaître, on parle beaucoup en privé avec certaines personnes donc, qui sont sur Instagram. Et ça me fait chier de laisser tout ça. Mais là, j'en ai vraiment besoin. Je peux plus en fait. Je veux vraiment me libérer du temps. Je veux penser à moi. Ça paraît égoïste peut-être pour certains, mais c'est vraiment un besoin. Quand on veut avancer des fois dans la vie pour certaines choses, on a besoin de se concentrer sur nous et que sur nous. Et moi, j'en ai vraiment besoin. Donc, ceux qui n'ont pas Instagram, je vous assure, c'est pas quelque chose de fou. C'est juste une application, hein, tout simplement. Ça vous fait créer un compte, certes, ça prend 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de partager dessus, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos, vous n'êtes pas obligé de mettre des stories, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Vous pouvez avoir juste un compte comme vous avez un compte YouTube pour venir discuter avec nous, pour venir voir nos stories, nos photos, nos posts. Et en plus, comment vous dire, c'est dans l'instantané. Je veux dire, vous ne voyez pas plusieurs jours après ce qui s'est passé dans notre semaine. C'est vraiment de l'instant présent. C'est du partage immédiat en fait sur Instagram. C'est ça que j'aime énormément. Après, je comprendrai qu'il y en a qui ne veulent pas. Je comprendrai totalement. Dans ce cas, vous avez aussi Facebook. Je ne sais pas si vous avez un Facebook. Vous pouvez venir m'y retrouver. Je vous mets aussi le nom là. De toute façon, vous avez tout en barre d'infos et je vous remets les deux noms là, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Parce qu'en fait, tout ce que je mets sur Instagram, que ce soit story ou post, ça se poste aussi sur mon Facebook parce que les deux sont reliés. Donc si vous ne voulez pas prendre Instagram mais que vous avez Facebook, ben, n'hésitez pas au moins à m'ajouter sur Facebook et comme ça au moins vous pourrez continuer à voir nos aventures et aller voir dans l'instantané, tout de suite. J'essaierai de continuer à vous poster ici des choses qui sont un peu longues et qui sont peut-être reloues de regarder sur Instagram. Donc sur Instagram, je vais peut-être essayer de faire des petits vlogs de journée mais qui durent très peu de temps. Vous voyez, c'est des IGTV en fait et je vais essayer de vous faire ça en tant que vlog de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Quand voilà, quand j'aurai un petit peu de temps ou autre, j'essaierai de vous faire ça. Évidemment, je ne ferme pas mon YouTube ni quoi que ce soit.
J'essaierai de vous mettre sur YouTube, par exemple, tout ce qui est haul. Vous voyez, quand on va aller à Action ou quand on va faire un retour de course. Ça, j'essaierai de vous le partager là parce que c'est quand même quelque chose qui ne me demande pas non plus beaucoup de montage. C'est assez rapide à monter, tout ce qui est justement haul, retour de course. C'est quelque chose qui est assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de coupures, il n'y a pas beaucoup de musique à rajouter, tout ça, tout ça. Donc, je vous partagerai toujours ça ici. Mais tout ce qui est vlog, je vais stopper. Et pour nous suivre au quotidien, malheureusement, j'ai envie de dire, il vous faudra soit installer Instagram si vous sentez, soit nous rejoindre sur Facebook si vous avez Facebook. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que voilà, j'aurai toujours contact avec vous parce que ben, c'est vrai qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on a lié vraiment des liens tous ensemble, quoi. On se suit depuis maintenant combien de temps? Donc évidemment, ça me fait un peu chier. Ça me fout un peu la boule au ventre, mais je sais que c'est pour un bien pour moi et que c'est ce que j'ai besoin pour l'instant. Donc il faut absolument que je fasse et que j'écoute mes envies et mes besoins en priorité. Et je serai toujours là de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez juste discuter, comme on a pu le faire, pour ceux qui ne mourront pas. Il y a aussi mon adresse mail, voilà, que je vous remets aussi là. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci, je réponds à tout le monde de toute façon à chaque fois. Mais voilà, ce sera maintenant concentré sur Instagram. Et sur Facebook. Donc, j'espère quand même continuer à vous compter nombreux et continuer surtout à échanger avec vous et à partager avec vous comme je le fais ici en fait, mais sauf que ce sera en instantané, en quotidien. Que ce soit une recette, que ce soit n'importe quoi. Voilà, ce sera. Vous l'avez vu, la petite mouche, elle est venue me faire un bisou. Que ce soit voilà, recette, que ce soit quotidien, que ce soit tout en fait. C'est tellement plus simple d'évoluer sur Instagram maintenant. Par rapport aux outils qui sont mis à notre disposition. Donc voilà, pour celles qui ont besoin de renseignements pour mon activité ou pour les produits ou quoi que ce soit, c'est pareil, vous pouvez continuer à venir me trouver sur Instagram ou sur Facebook ou par adresse mail. Voilà, je resterai quand même bien évidemment disponible pour vous toutes à ce sujet-là aussi. Enfin voilà, donc j'espère que vous serez encore nombreux à suivre nos aventures, même si c'est ailleurs, et qu'on pourra continuer à échanger, à partager, à blablater, à soutenir comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et surtout en attendant, bah, prenez vraiment bien soin de vous, soin des autres aussi, mais de vous surtout en particulier. Voilà, je vous embrasse très fort et à très vite. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.